Bon, c'est vrai que ça part d'une très grande admiration, d'une très grande résonance avec, avec Roustan, que je n'ai absolument moi pas rencontré. Oui. Et j'ai eu une envie un peu délirante au tout début, hein, de faire un film sur à la recherche du fauteuil de François Roustan. Il faut demander à sa famille. C'est eux qui ont dû récupérer le mobilier. C'est parce ça. Que c'était le seul vrai fauteuil, c'est celui dans lequel il était assis. Le reste, c'était des chaises. Et ses patients étaient assis dans un fauteuil en bois et cuir très inconfortable. Alors que lui, visiblement, il était assis dans un fauteuil confortable. Donc, à la recherche du fauteuil de Roustan. Ouais, donc quand il disait « laissez-vous tomber dans le fauteuil », c'était un truc super dur. Oui, c'était pas, ça donnait pas envie de se laisser tomber. C'est pas un fauteuil relax. C'est sûrement un fauteuil de designer. Et c'était un truc avec une assise en cuir et puis une barre en bois là autour, en arrondi, donc c'était pas confortable. Après, j'ai constaté que lorsqu'on est sous hypnose, il y a des tensions qui montent, qui provoquent des mouvements. Et lorsqu'une personne est dans un fauteuil relax, machin, etc., ça, c'est très agréable, c'est très confortable, mais ce n'est pas favorable au mouvement. Alors, il y a des gens sous hypnose qui ont des mouvements qui sont des mouvements d'évitement, mais parfois, quelque chose qui se résout, quelque chose qui se remet en mouvement, provoque un mouvement, et effectivement, le fauteuil dans lequel était le patient chez Roustan, ce que j'en ai connu moi, était très propice à ça. Je me suis aperçu avec certains patients ici qu'au lieu de les mettre dans les fauteuils comme celui dans lequel tu es, donc un fauteuil confortable, quand je les mets sur un siège ergonomique là-bas, donc un truc où il y a juste les genoux et les fesses qui sont en appui, tout le reste du corps est libre, en fait, il y a certains patients pour qui, du coup, l'hypnose va être bien plus profitable. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans le corps qui ne se passeraient pas sur un fauteuil très confortable. Donc voilà la petite anecdote sur le fauteuil de Roustan. Toi, comment tu en es venu à dans le fauteuil, justement, toi? Alors, à l'époque, j'exerce en tant que psychologue spécialisé sur la précocité intellectuelle. Et je suis persuadé à l'époque qu'il faut aller par le corps. En plus, lorsqu'on travaille avec des gens des précoces, le fait de leur donner du grain à moudre au niveau du raisonnement, ça leur plaît bien, mais c'est sans fin. Par contre, quand on commence à leur demander de laisser monter ce qui se passe dans le corps, pas les émotions, mais voilà, comment vous vous sentez, etc. J'observe les postures, je fais marcher les gens les yeux fermés, des choses comme ça, pour que leur corps s'habitue à ce que ce soit eux le centre, le point de repère. Quand on commence à passer par le corps, il se passe des choses. Les thérapies avancent beaucoup plus vite, les résultats sont meilleurs. Et donc, je suis à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau du corps. Le problème, c'est que je suis très, très souvent confronté à des choses qui, moi, ne me paraissent pas sans danger pour les patients. Et à l'époque, je suis allergique à l'hypnose. Parce que la vision que j'ai de l'hypnose, c'est une prise de pouvoir du thérapeute sur le patient et le thérapeute amenant le patient là où le patient l'a demandé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le questionnement du mais on ne sait pas si de répondre à la demande du patient, c'est bon pour le patient ou pas. Donc je vois des gens qui utilisent l'hypnose pour répondre le mieux possible à la demande du patient, mais sans questionner la pertinence de la demande du patient. Donc ça, moi, je n'adhère pas du tout à ça. Je pense pas utiliser l'hypnose un jour. Et puis, j'écoute. J'écoute des émissions, j'écoute des podcasts, et un jour, je suis en voiture, je vais pour animer une formation en Vendée, je m'en souviens très très bien, et j'écoute Les Racines du Ciel, avec Frédéric Lenoir et Leïla,
plus comment, les Liens-Var, voilà. Et ils ont invité un monsieur, François Roustan. Alors moi, François Roustan, je connaissais en tant que psychanalyste. Quand j'étais tout jeune, j'étais lacanien, j'étais psychanalyste aussi. J'étais, oui, je connaissais Lacan, je connaissais Roustan, de nom, quoi. C'était, ça faisait partie des monuments. Et j'entends que l'invité, c'est François Roustan. Donc, ça va être l'émission des Racines du Ciel sur Socrate. Le secret de Socrate pour changer la vie. Et je suis scotché par ce qu'il raconte. C'est-à-dire que je commence à écouter ça comme ça, en voiture, et puis j'arrête la voiture, je remets l'émission au début, et je réécoute tout, et je me dis, là, il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose qui me dérange, qui est qu'il fait de l'hypnose. Donc là, il y a contradiction, je dirais, entre ce que j'entends, ce que je ressens de M. Roustan, et puis, bah, pratique de l'hypnose. Donc là, je me dis, bah, c'est que moi, il y a quelque chose à côté duquel je suis passé. Donc ça se fait comme ça, c'est en 2012, ça se fait comme ça. Et à partir de là, bah, je lis tout ce qu'a écrit Roustan, je regarde ses interviews, ses machins, etc. Et je me dis, bah, l'hypnose dont il parle n'est pas la même que celle dont j'ai entendu parler. Voilà, donc je l'appelle. Et je lui dis, bah, je voudrais que vous me formiez. Et ce à quoi il me répond, bah, je ne forme pas les gens qui, à la base, comme ça. Formez-vous d'abord, et ensuite revenez me voir. Donc, je me renseigne, et puis à un moment, j'ai une personne avec qui je travaille de temps en temps, qui est médecin, qui revient de formation hypnose, avec Mohamed El Faricha, et je sens que là, il y a quelque chose d'intéressant. Mais c'est d'hypnose ericksonienne pure et dure. Et donc, je vais faire une formation en hypnose ericksonienne pure et dure. Voilà. Et une fois que j'ai fait cette formation, je pratique un peu, et puis je le rappelle. Et là, j'ai un premier rendez-vous. Voilà. En tant que... Patient. Patient, c'est ça. Ben, avant d'apprendre, je veux expérimenter. C'est-à-dire que ça fait quoi d'être dans le fauteuil, justement. Voilà. Justement, je crois bien que c'est exactement la question qui vient. Quelle sensation tu as éprouvée, du coup, là, dans le fauteuil? Alors, il y a toute une évolution. C'est-à-dire que... il n'y a pas de salle d'attente. Voilà, c'est à Paris, et puis il y a une sonnette, il avait bien indiqué, vous sonnez à bureau, vous sonnez pas à Roustan. Donc je sonne à bureau, il y a une entrée, je crois qu'il faut aller sur la gauche, je crois, et là il y a une cour, et donc en bas de l'immeuble il y a une cour pavée, et puis il y a M. Roustan qui est à la porte de la pièce qui lui sert de bureau, et... comment dire, je suis face à un vieux monsieur, parce que moi je l'ai rencontré la première fois donc en 2015, donc il avait 93. Je suis face à un vieux monsieur assez froid, qui me fait signe, donc je me retrouve dans une pièce dans laquelle il y a plein de chaises. Il y a, je ne sais pas combien, 10 ou 20 chaises, je ne sais pas du tout. Et puis il y a un divan de psychanalyste, et puis il y a le fauteuil de Roustan, donc. Et puis il y a un mur qui est rempli de bouquins, une bibliothèque impressionnante. Et je me retrouve assis là, et dans un premier temps, je me demande plutôt ce que je fais là. C'est un peu bizarre. Et en même temps, ce qui est dégagé par Roustan, il y a un charisme phénoménal qui se dégage du bonhomme. Et il attend. Et il dégage une puissance très très grande. Et donc je me trouve face à quelqu'un qui n'est pas bienveillant. C'est-à-dire face à quelqu'un qui a une intonation qui est dure. Et donc je commence à lui parler de quelque chose que j'ai à régler. Et il me pose 2-3 questions. Qui ont à voir avec, avec le mal-être que je suis en train d'exprimer, que je veux traiter. Et moi, je m'attends à ce qu'on se mette à parler de ce mal-être. Et il y a un petit silence, et il me dit, mais là, vous pensez à quelqu'un, là, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans vous par rapport à cette personne ?
C'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression de l'embêter en étant là. Et ça tombe comme un cheveu sur la soupe, le fait de me parler de ce que parce que j'ai pas parlé de ma compagne du tout. Et je lui dis, je me sens pas bien par rapport à elle. Alors, il me dit, ah bon? Vous avez quelle image de vous par rapport à elle? Et c'est voilà, c'est violent. C'est pas du tout bienveillant, gentil, etc. C'est très très violent. Ben, je dis, il y a des années, j'ai fait des choses et je ne suis pas très très fier de moi. Vous êtes un salaud! Alors, faut imaginer, moi, je suis venu voir Dieu, quoi. C'est le cas de le dire, c'est un ancien prêtre. Je suis venu voir Dieu, j'ai pris l'avion le matin, je suis là, ta-ta-ta, ça y est, je vais rencontrer Roustan, ta-ta-ta-ta-ta-ta. J'ai un petit côté de l'ego qui est tout fier d'être devant le maître, etc. Et je me fais traiter de salaud. Et donc, on va pas dire que je me sens bien, ok? Et puis, en même temps, je lui dis oui. Et il me dit, si vous vous dites que vous êtes un salaud, comment vous vous sentez? Bah, pas bien. Bon, laissez le fauteuil vous installer dans je suis un salaud. Et puis c'est le silence. Et puis c'est le silence, puis j'attends que le fauteuil m'installe dans je suis un salaud. Donc là, il y a un moment de flottement où Roustan me regarde. Voilà, et puis moi je suis pas très très bien, évidemment. Et en même temps, j'attends. Et le monsieur, il a dit qu'il fallait que j'attende que le fauteuil m'installe là-dedans. Donc j'attends. Je n'avais pas envie de discuter, quoi. Et j'attends. Et puis, je dirais, mécaniquement, après avoir regardé un peu tous les bouquins qu'il y a dans la bibliothèque, je ferme les yeux. Voilà. Et puis, je me laisse porter par le fauteuil. Et puis, j'attends que le fauteuil fasse ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il y a cette position qui est déjà là. Et puis, je sens. Mais au bout d'un bon moment, sûrement d'un bon quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça, je sens une montée de tension pas possible à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que le fauteuil est en train de s'occuper de moi, et il y a vraiment quelque chose qui monte, qui est extrêmement fort, et ça bouleverse tout. Et donc j'ai ce phénomène qui arrive, je comprends rien de ce qui se passe, j'ai ce phénomène qui arrive, qui est extrêmement puissant, ça dure un moment. Puis ça se calme, puis ça recommence tout seul. Roustan, il est en face de moi, il me regarde, il attend. Et puis à un moment, ça se calme. Et je dirais, je sens que c'est fait. Et de l'extérieur, il ne s'est rien passé. Et puis ça se calme, je sens quelque chose qui se dépose complètement. Et puis Roustan me dit, c'est fait. Oh oui, bon, on a fini. Alors, en même temps, moi j'ai un truc extraordinaire qui se passe à l'intérieur de moi, et Roustan se lève, et là c'est plus le même. C'est-à-dire que c'est un vieux monsieur très gentil, très attentionné, et on se met à parler de la Bretagne, on parle de Pont-Aven un petit peu, tout ça, parce qu'il connaît bien tout ça, cette région. Et puis voilà, il me souhaite bon retour. Je lui demande si je reprends rendez-vous. Il me dit non, vous laissez le temps et vous verrez plus tard. Bon. Et puis on se dit au revoir de façon très très chaleureuse. Et je sors de son bureau. Alors, pour ceux qui connaissent un peu Paris, c'était rue de. À côté de la rue de Rome, donc c'était rue de Naples, donc le coin des Luthiers. Donc c'est près de la gare Saint-Lazare. Donc je sors de son bureau, je suis à pied. Et là, j'ai un phénomène un peu étrange, c'est-à-dire que j'ai un trou dans mon histoire. C'est-à-dire je sors de chez lui et je vais pour. J'ai du temps avant de reprendre l'avion le soir. Et je vais. Mon idée, c'est de marcher un peu. Et en fait, je ne sais pas. Je reprends conscience, je suis rue de Rivoli. Donc j'ai traversé quand même une bonne partie du coin en étant en état complètement second. Et quand je reviens à la surface, je me sens extrêmement bien, plein de vie, extrêmement bien. Et évidemment, ce pourquoi j'avais été le voir, c'est réglé. Ça va très très bien. Voilà, ça c'est
la première rencontre avec Roustan, et c'est, je ressors de là bouleversé. C'est ma vie, il y a un avant, il y a un après, quoi. Voilà. Et puis inattendu. Totalement inattendu, oui. Et sur le moment, j'ai pas compris. Après, j'ai retravaillé tout ça. Mais sur le moment, je rentre dans un... Il y a quelqu'un de génial, il y a quelqu'un d'extraordinaire. À l'époque, je me considérais un peu comme un bon thérapeute. Quand je suis rentré à la maison, mon truc, c'était j'arrête d'être thérapeute. C'est pas la peine. Il y a ce que fait Roustan, c'est ça qu'il faut faire, mais moi, j'en suis pas capable. Donc, je vais lui envoyer tous mes patients. Moi, ce que je fais, c'est nul. Et ma compagne me dit, bon, on va attendre un peu. Voilà. Et ce que tu as vécu cette première fois, c'est tu peux le raccorder à ce qu'il appelait la perceptude ou c'est encore autre chose? Oui, en ceci que l'ambiance dégagée dans son bureau, il se passe rien. Je veux dire, son bureau, il y a rien de particulier. Donc ce qu'il dégage. Donc là, on est dans la perceptude. Et c'est à partir du moment où j'accepte de me laisser faire, c'est-à-dire de ne rien comprendre, que les choses se passent. Donc, il s'agit de lâcher et de se laisser baigner dans la perceptude. Donc oui, tout se passe au niveau de la perceptude. Et du coup, après, tu es revenu le voir pour d'autres problématiques thérapeutiques ou dans l'optique de... Alors, la deuxième fois, j'ai été le voir pour régler un truc perso. Ça a été fait en 10 minutes. Et après, je lui ai dit, bon, je vous explique. Moi, je voudrais faire du Roustan. Ce qui l'a bien fait rire, et sur le moment j'ai pas compris pourquoi, et puis on a commencé à discuter, voilà, et après je suis retourné le voir, mais là on avançait par rapport à ce que je faisais, il n'y avait plus à régler, non pas que j'ai rien à régler, mais je pouvais travailler, j'allais voir pour ça, et puis il y a eu quelques échanges téléphoniques, voilà. Donc vous avez dialogué, et c'est comme ça que tu as fait école avec lui, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il m'a dit, je lui ai raconté un truc que j'avais fait avec un patient, etc. Donc je lui expose ça, et il me dit, c'est très bien, vous savez faire du Roustan. Alors moi, attention, monsieur Roustan a dit, je sais faire du Roustan, donc là je me sentais plus. Mais vous n'êtes pas Roustan, là. Prends-toi ça dans la figure. Oui, ça c'est sûr. Roustan, il va mourir avec Roustan. Vous êtes Sansfelder, faites du Sansfelder. Et là, je suis ressorti bouleversé. Parce que c'était ce qui m'a envoyé comme claque dans la figure, c'était ne devenez pas quelqu'un d'autre, épanouissez qui vous êtes. Et ça, je dirais, c'est pas de disciple. Donc ça s'est fait comme ça. Donc à partir de là, moi j'ai fait du Sansfelder. Et puis ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit mon premier livre. Et en août 2016, j'ai donc su qu'il serait publié. Et donc je l'ai appelé début septembre Roustan pour lui dire que j'allais être publié. Je lui ai demandé si je pouvais lui envoyer le manuscrit pour avoir son avis et s'il était d'accord pour faire la préface, si ça lui plaisait. Donc tout de suite il m'a répondu qu'il faisait plus de préface, que ça de toutes les façons, qui que ce soit qui lui demande, il en ferait pas. Voilà. Par contre qu'il voulait bien recevoir mon livre. Et donc, je l'ai rappelé fin septembre, et je lui ai demandé s'il avait reçu, il m'a dit oui, je l'ai lu, j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a beaucoup intéressé, alors moi... voilà, et il m'a dit, puisque vous avez compris le fond, creusez le sillon, à vous de continuer. Ensuite, on a discuté de lui, et là, il m'a expliqué qu'il était fatigué et qu'il attendait la fin. Voilà, et c'est la dernière fois que j'ai eu au téléphone. Après, j'ai chialé comme une madeleine, mais voilà, et puis parce que c'était la dernière fois, c'était clair qu'il allait mourir, et il est mort en novembre. Et puis parce que le renvoi qu'il avait eu par rapport à mon manuscrit était... Ouais, j'étais touché, quoi. Je m'attendais pas à ça. Donc voilà.
On a parlé de son fauteuil, comment le tient? À la base, j'avais des fauteuils en cuir là, et que quand je me suis mis à faire de l'hypnose, bah, il n'y a pas de soutien pour la tête. Donc c'est un fauteuil assez quelconque, mais extrêmement solide. Parce que j'ai plusieurs fois où je me suis dit ça va casser vu la position que prennent les gens. Non, et puis il y a le travail sur le fauteuil ergonomique, le siège ergonomique. Il y a du travail debout, il y a du travail allongé. Donc c'est différent. Ça varie. Donc l'important c'est quand même, si c'est un siège, l'assise pour la tête, quoi. Pour la première séance, les gens, c'est plus agréable de se laisser partir avec quelque chose qui soutient l'ensemble du corps. Pour la première séance. Le temps que les gens découvrent l'état d'hypnose. Après, c'est plus important. Pendant le cours là qu'on a pris avec toi tout à l'heure, tu parlais de comment tu fais du Roustan, mais oui. Tu fais du Sensfelder. Oui. Donc, quelle est la progression? Tu parlais d'une progression. Ah, alors, progression, je ne sais pas, mais j'ai pris un chemin. Voilà, l'idée, c'était que Roustan, il a creusé un sillon, mais qu'il y avait un sillon principal, puis il y a des tas de sillons annexes, et je pense continuer le sillon principal, mais à ma façon. Donc le principal, c'est d'arrêter de lutter contre la réalité et de se laisser transformer. Alors ensuite, dès le début, il y a des divergences. C'est-à-dire que pour Roustan, le nœud, c'est la culpabilité. Et il appuie ça, évidemment, sur des textes religieux. Moi, je vois ça différemment. C'est-à-dire que pour moi, il y a la peur, la culpabilité et les tensions engrammées dans le corps. Donc il y a trois origines au mal-être et non pas une. Alors, c'est une différence théorique. C'est pas une différence importante. On en avait discuté. C'était du pourquoi pas. Voilà, lui, il voyait plutôt le côté culpabilité. Donc ça, c'est une différence au niveau théorique. La deuxième différence, et celle-là, elle est de taille, c'est que Roustan, lorsque quelqu'un venait et puis disait, par exemple, vous laissez le fauteuil résoudre votre problème, souvent il ne se passait rien. C'est-à-dire que les gens repartaient de là en disant, c'est n'importe quoi, il ne se passe rien, c'est n'importe quoi. Bon. Et ce que Roustan disait aux gens, c'est revenez quand vous serez prêts. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens n'étaient pas prêts à se laisser faire par le fauteuil. Et lui, dans ce cas-là, revenez quand vous serez prêts. Et j'avais demandé pourquoi il n'accompagnait pas les gens entre là où ils en étaient jusqu'au moment où ils seront prêts. Et il me répond, ça m'emmerde. Voilà, c'était simple et net et précis. Et il se trouve que moi, ça ne m'emmerde pas. Moi, je m'éclate à faire ça. Donc ça, c'est une différence énorme, c'est-à-dire que les gens arrivent, ils sont même terrorisés à l'idée de faire un tout petit lâcher prise, etc. On va faire tout le travail et donc on va prendre le temps de faire le nombre de séances nécessaires pour qu'à un moment, ils soient dans un état où ils se laissent complètement transformer par l'environnement. Alors ça, c'est une grosse différence. La troisième différence, c'est que à la fin, ils cherchaient un nom par rapport à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas école, mais c'était un peu dans l'air quand même. Mais surtout, éviter de faire ce qu'avait fait Lacan et du psychanalyse, comme le faisaient les lacaniens. Dans la mesure où il s'agit de se laisser faire par l'environnement, il appelait ça l'écothérapie, avec cette notion d'écologie, tout simplement, d'environnement. Or, le terme écothérapie était déjà pris, parce que c'est des gens, on va se promener avec eux dans la forêt, enfin, etc., et moi, j'étais plus sur un travail sur au service de l'être, à une autre thérapie, l'être et puis serviteur, comment dire, qui passe par l'environnement. Et du coup, il y a eu la notion de créer un espèce de, c'est pédant ce que je vais dire, c'est prétentieux, mais de corpus de connaissances qui soit transmissible. Et donc de faire école, non pas pour que les gens fassent du Sensfelder, mais de la hypnothérapie. Ensuite, ils font, sur cette base-là, ils font chacun à leur façon. Donc ça, c'est différent du positionnement qu'avait Roustan.
lui, ça l'intéressait pas. Moi, en fait, il y a eu tellement de gens qui m'ont demandé que je me suis mis à faire. Voilà ce qui vient là spontanément comme différence. Et maintenant, je voulais te demander si tu pouvais décrire une de tes expériences depuis que tu es hypnothérapeute. Qu'est-ce que toi, tu peux ressentir au contact des personnes que tu accompagnes et vice-versa? C'est-à-dire, est-ce que au niveau des sensations, tu vois, Ben, si tu peux me décrire quelque chose? c'est très très difficile puisque par définition c'est que de la sensation. Oui, mais ouais. Alors, Un exemple un peu fort, peut-être. moi je passe mon temps à être centré sur ce que je ressens. Donc ce que je ressens c'est une immense sérénité. C'est-à-dire que tout ce travail initié par Roustan de laisser l'environnement agir sur le patient. Implique que le thérapeute soit lui-même totalement aligné. Et les écrits de Roustan tournent beaucoup autour de tout ça. Et donc c'est là-dessus que je travaille. Et plus on est aligné, plus on est serein. Plus on se sent bien. C'est pas du plaisir, c'est de la sérénité. C'est quelque chose d'extrêmement posé, extrêmement calme. Alors à partir de là, il y a. Au milieu de tout ce calme, il y a des montées de tension, donc physiquement des crispations, qui sont liées aux tensions dégagées par les patients. Donc c'est ça, moi c'est ça que je ressens sans arrêt quand je travaille, c'est-à-dire je me mets dans un état extrêmement centré et aligné, donc extrêmement serein, calme, serein, posé, et ensuite, de façon automatique, il y a une adaptation qui se fait au patient. Donc je dirais s'il y a besoin d'être dynamique, ben, je vais constater que je suis dynamique. S'il y a besoin d'être hyper posé, je vais constater que je suis hyper posé. S'il y a besoin de parler, je vais parler. C'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que c'est ça que je vis sans arrêt. C'est une absence de décision. Et puis, s'il y a besoin de silence, ce sera du silence. Donc c'est ça. Et puis, ressentir très fortement ce qui se passe chez le patient, mais sans en être impacté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une tension phénoménale dans la pièce, je la constate, je la ressens, mais ça ne fait aucun dégât, ça traverse en fait. C'est ça que je vis au quotidien. Et du coup, ça fait des journées extrêmement apaisantes, apaisées et apaisantes. Quoi que ce soit qui se passe pendant les séances. Parce que pour les patients, c'est pas toujours apaisé. Pour les patients, il peut y avoir des montées de tension phénoménales, il peut y avoir des choses très très dures à vivre, alors que moi je reste complètement dans le sens commun du terme zen, c'est-à-dire une forme d'équanimité. Roustan avait été formé par des gens qui avaient côtoyé Erickson, et donc Roustan lui-même se définissait plutôt comme ericksonien. Et il avait des restes de prise de pouvoir de temps en temps, des restes de manipulation. Il va sans dire que vous, ta ta ta, ça c'est de la manipulation, etc. Donc il y avait des restes comme ça, et moi j'ai viré tout ça. C'est-à-dire que j'ai estimé que c'était en contradiction avec le reste du travail, avec le reste du positionnement. Donc oui, ça c'est une grosse différence, c'est-à-dire que je considère que ce que faisait Roustan, c'était plus du tout du Erickson. Si toi tu faisais, je ne sais pas si tu dessines, si tu composes ou peu importe, mais si tu faisais une œuvre, comme là, tu vois, je commence le processus d'un film, avec dans l'idée, avec l'esprit de Roustan, quel trait tu souhaiterais y déposer par fidélité à son égard, pour pas le trahir quelque part? Aucune idée. Tout simplement parce que la fidélité à Roustan, on va dire, c'est d'être dans le présent. Donc du coup, il n'y a pas de projection possible. Donc je vois pas, non. En posant la Faudrait question, je me suis dit, en fait, c'est une le. forme de limite, faudrait trahir pour être OK avec lui. C'est. On pourrait. Il y a des gens, par exemple, qui font des mouvements et puis ça donne une forme qui vont peindre quelque chose, mais il faudrait qu'à ce moment-là je sois avec la présence de Roustan et que je laisse les choses se faire. Mais ça Mais je m'intéresserait. sais pas ce que ça donnerait, j'en ai aucune idée. Oui, on peut expérimenter éventuellement, c'est Moi clair. je le ferai pas, mais oui, c'est des gens C'est ça. qui l'ont côtoyé peuvent le faire, oui, bien sûr. Oui. Roustan en trois mots. Oh, en un seul, liberté. De la musique, virgule, de la danse à l'hypnose.
Ah, les artistes, ils ont souvent un truc qui comprennent pas et qui leur pose beaucoup de problèmes dans la vie, c'est que, par exemple, un artiste peintre va avoir du mal à vendre un tableau parce qu'il a l'impression que c'est lui qui l'a fait et que du coup, il y a quelque chose de lui dans le tableau. Un danseur, si on dit quelque chose sur la danse qu'il vient de faire, va se sentir touché en tant que personne. Or, pour qu'il y ait œuvre, pour qu'il y ait art, il faut justement que ce ne soit pas l'artiste qui fasse. C'est-à-dire qu'un artiste, c'est quelqu'un qui se laisse envahir par quelque chose de plus grand que lui et qui ensuite laisse ce quelque chose agir à travers lui. Là, il y aura création artistique. Donc, ce n'est pas l'artiste qui crée l'œuvre d'art. C'est juste un vecteur, un viatique, un pont entre quelque chose et puis l'œuvre d'art. Il y a des gens qui en ont totalement conscience, comme par exemple Fabienne Verdier, qui fait un travail de peinture extraordinaire, mais qui s'appuie sur une pratique très grande de la calligraphie chinoise, et puis sur le fait d'être là et d'attendre que ça vienne et que ça peigne à sa place. Par exemple. Voilà. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à une artiste, c'est quelqu'un qui est bien en deçà de l'œuvre qui se crée à travers elle. Donc voilà. C'est-à-dire que l'acte de création ne peut se faire que dans un léger état d'hypnose. Donc là, on est vraiment dans la rencontre entre les deux. Il y a quelque temps, j'ai reçu un jeune contrebassiste et on a travaillé ça. Donc il est venu au bureau avec sa contrebasse. C'était assez génial. C'était un truc immense. Là, j'étais battu en termes de bruit avec mon gong. Là, c'était. En fait, il était présent à ce qu'il jouait. Et donc, on a travaillé sur le fait que ce soit plus lui qui joue, mais qu'il soit habité par la musique et que tout son corps réagisse à la musique qui est dans lui et que ça se traduise dans l'instrument. Et que lui, en fait, il soit juste spectateur de ce qui est en train de se passer. Il y a eu une interprétation de Greensleeve à un moment qui a été. Non, de Autumn Leaves, les feuilles mortes, là. Que je me suis éclaté. J'ai droit à un concert en plein milieu de la séance parce que il y était, c'est-à-dire qu'il n'était plus là. Et là, c'était vraiment géant. Et il jouait vraiment avec tout son corps, c'est-à-dire que ben, tout son corps bougeait, tout son corps était dans le jeu. C'était pas juste les mains, c'était l'ensemble du corps qui jouait. Et là où il y avait création artistique. C'est ça. C'est l'hypnose. Il parle beaucoup de danse et de musique. Enfin, moi, à chaque fois, ça me parle. Dans les textes, hein, c'est aussi lié à cette histoire d'élan, de retrouver le mouvement, l'élan. Oui, et puis derrière ça, il y a la pensée asiatique. C'est-à-dire que la pensée asiatique est traversée, si on prend Chuang Tzu, etc., est traversée par cette notion de quelque chose se fait à travers la personne, et sans lutter contre l'environnement. Donc, dans notre culture, ça va être effectivement au niveau artistique que ça va se retrouver. Alors, Roustan était grand mélomane, donc évidemment ça ressort là-dedans, et puis il aimait beaucoup la danse, donc du coup il va. Voilà, puis pas mal aussi la peinture. Mais comment dire, derrière ça, c'est la. Retrouver ce qu'il y a dans vraiment le fondement de la pensée chinoise. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'un des éléments de l'environnement, et nous allons mal quand nous luttons contre ça. Donc c'est tout le plan dans lequel nous baignons qui n'est pas mesurable. Donc c'est que de l'expérience. Et que du subjectif. Comme c'est mon enjeu cinématographique, je suis dans le visible, moi. Oui, Enfin, sauf que le la son, perceptive, c'est invisible, le son, c'est intéressant. c'est pas visible, la perceptive. Voilà.
C'est tout ce plan d'ambiance. C'est ça. Donc c'est là l'enjeu de mon film, tu vois, la complexité du projet. Oui. Se dire, il y a eu un type extraordinaire qui a existé, chacun l'a ressenti à sa façon, mais Roustan, il est mort. Ouais. Donc le truc en lui-même, c'est fini. C'est tout. Donc c'est... De toutes les façons, c'est toutes les personnes que tu vas rencontrer vont avoir leur interprétation. Donc, cette interprétation, c'est pas Roustan, c'est la façon dont ils ont interprété Roustan. Bien sûr, c'est subjectif. Mais Roustan lui-même, c'était Roustan, stop. Mais j'aimerais bien m'amuser, parce que bon, quand même, le jeu, c'est ce qui est le plus important dans la vie. M'amuser à l'invoquer, c'est-à-dire à essayer de travailler... en sa présence à travers ce projet cinématographique, tu vois, mais essayer d'être là et d'accueillir sans là, forcer, quoi. C'est autre chose, mais c'est pas transmissible d'un point de vue cinéma. Ce que tu peux essayer de faire, c'est d'abord toi progresser en termes de centrage, d'hypnose, etc. Et ensuite demander. Les gens que tu interviews, leur demander à un moment de prendre le temps de, eux, se centrer et de faire comme si Roustan était présent dans la pièce. Ouais, tout à fait. Et du coup, toi, tu ressentiras quelque chose d'une présence, encore une fois, qui ne sera pas la présence de Roustan, mais la présence de l'interprétation qu'ils en ont, ce qui nous a marqué. Et donc, ça sera un peu différent pour chaque personne. Et du coup, là, tu pourras en toucher un petit peu quelque chose. Ça, oui, ça, c'est jouable, mais transmettre ça sur un film, il ne se passe rien. Oui, bien sûr. C'est ça, ça peut être vraiment très relou à regarder. Parce que même une séance de Roustan, c'est vu de l'extérieur, il ne se passe rien. Tout se passe dans le ressenti interne du patient et du thérapeute. Donc, il n'y a rien à... Il n'y a rien à voir. C'est le problème. Oui, c'est le problème. J'ai plein d'idées, cela dit. Justement. Je voulais te demander si tu étais prêt à incarner une de ces parts. Alors moi, j'ai imaginé plein de parts. Mais je voulais pas te les dire parce que je veux pas être influencer le truc, tu vois. Est-ce que la notion de personnage est opérante avec son mouvement, avec son approche? C'est-à-dire? La notion de personnage que toi tu développes, tu vois, oui. En hypnothérapie. Lui, ça l'intéressait. Ouais, ok. C'est-à-dire que lui, il n'était pas contre et il trouvait ça pertinent. Voilà. D'accord. Dans la mesure où derrière, il y avait cette notion d'enlever. Ouais. Que derrière le personnage, il y a la personne. Et que le but du jeu, c'est d'enlever le personnage. C'est ce dont il parlait quand il disait « le patient est déjà guéri ». C'est-à-dire qu'à l'intérieur du patient, qui va mal, il y a quelqu'un qui va bien. Donc le patient est déjà guéri, puisque c'est là. Donc là, on est vraiment dans la notion, le personnage qui ne va pas bien, et puis la personne derrière qui va bien. Ouais. Donc en fait, c'est une mise en forme de notion de Roustan. Que j'ai adapté avec ma façon à moi de dire les choses. Voilà, je vois le personnage du tireur à l'arc japonais. Alors, tout le truc... Alors, justement, le tireur à l'arc, c'est... tant qu'il est dans personnage, c'est le bouquin de Herigel, tant qu'il essaye de tirer la corde, il n'y arrive pas. Parce qu'il est dans vouloir, parce qu'il est dans une attente... Et parce qu'il est dans de la force. Quand c'est la personne qui agit, hop, la corde se tend. Et immédiatement, évidemment, il est tout content de ce qu'il a fait, donc il veut recommencer, donc il n'y arrive pas, puisque là, il y a le personnage qui reprend le dessus. Si on prend ce truc de tir à l'arc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a l'arc qui est là, etc., et qu'ils se mettent en hypnose. Et une fois qu'ils se mettent en hypnose, ils laissent leur corps tirer à l'arc. Ce n'est pas eux qui tirent.
Et c'est tout ce truc-là. C'est pour ça que c'est ce que Rostand a extrêmement bien compris en lisant le petit bouquin des rigoles. C'est que ben, tant que la personne elle essaye de faire par elle-même, ça ne marche pas. Au moment où elle accepte que ce ne soit pas elle qui fasse, mais que, ça, que quelque chose décide à sa place, là, on arrive vers une autre dimension. C'est pour ça aussi que même le grand maître, lui, il peut avoir les yeux bandés, ne pas savoir où est la cible, et là, ça part dans le centre de la cible. Donc, parce qu'il descend dans la perceptude, et du coup, il est tout en même temps, mais là-dedans, il n'y a pas une once de volonté. Il y a une intention avant l'hypnose, et après, ce n'est qu'une histoire d'hypnose. Donc c'est ça le tir à l'arc. Donc le personnage, il ne peut même pas tirer la corde. C'est tout le truc. Et c'est ça qu'on fait en permanence avec en aénothérapie, et c'est ce que faisait Roustan en permanence. Voilà. Donc c'est dissolution du personnage, je vais les mettre dans la soude. Oui, c'est ça. Les costumes, tu vois, oui. Au feu. Alors, ensuite, d'un point de vue social, il y a besoin d'un personnage. Alors, moi j'ai résolu le truc en faisant la différence entre les personnages et les rôles sociaux. En disant, ben après, qu'est-ce qui reste? Il reste la personne, et la personne fait fonctionner des rôles. Et là, on est complètement dans la pensée zen. C'est-à-dire, on fait ce qu'il y a à faire. Voilà. Mais ce n'est pas nous. Et toute la pensée zen va là-dedans. C'est pour ça que dans un monastère zen, par exemple, on ne peut pas trop différencier les gens, et les gens font les mêmes gestes en même temps. Et ils sont tous habillés pareil, et puis ils mangent la même chose en même temps, et puis ils nettoient leur bol tous pareil, enfin, etc. Tout est codifié de façon à ce qu'il n'y ait plus de personnages. C'est-à-dire que ce qui est fait n'a plus d'importance, il n'y a que le fond. Et le travail de Roustan, ça ouvre sur tout ça. Tout le monde en... Comment on appelle ça dans les écoles, je sais, là, les... Tout le monde habillé pareil. Oui, c'est ça, uniformes. Oui, en uniforme, oui. Un truc comme ça. Alors, c'est pas pour casser les gens, c'est pour leur permettre d'accéder à autre chose, à un autre plan. Ouais, c'est tout ce qui m'intéresse. Oui, ben voilà, je pense que je vais quand même m'amuser et puis te proposer quand ce sera plus avancé, tu vois. Je sais pas, moi j'avais l'inspiration de Saint François d'Assise, parce qu'il y avait un jeu de mots avec Assise, le fauteuil, Saint François, enfin je trouvais ça drôle. Quoi. Donc tu vois, j'ai envie d'aller faire des petits costumes en carton, avec des petites couronnes, ou une petite toge, mes trucs en papier crépon, vraiment le truc de maternelle, pour être vraiment dans le jeu et l'enfance. Moi je vais pas me prêter à ça. D'accord, oui, c'était une question que j'ai, voilà. Ouais, non, moi je vais pas me prêter à ça. Toi tu veux pas jouer à ça. Non, pas du tout. Ben, ce qui me paraît important toujours, c'est que Roustan, ce qu'il a montré, c'est que les choses, la thérapie, l'accompagnement, le changement, c'est pas en se centrant sur le patient que ça se passe. C'est que le thérapeute se centre sur le thérapeute. Et tout est là. Et c'est un angle de présentation des choses qui est original et qui change tout. Et les bouquins de Roustan s'adressent d'abord au thérapeute. Voilà, ça c'est une sacrée révolution. Le seul frein à la thérapie, c'est le thérapeute.